Oleksandr Berech, l'Ukrainien, à la barre fixe. Il avait pris la deuxième place à Côte-Bosse en mars dernier, épreuve de la Coupe du Monde à la barre fixe. Il est champion d'Europe en titre à cet engin. Il est quatrième au classement mondial. Et il n'avait pris que la cinquième place à Sydney. Et voilà donc une vrille dans le premier saut périlleux du Kovacs. Deuxième Kovacs. C'est un gymnaste très élégant. Et très surprenant aussi, car lorsque vous le regardez avant un passage, il est d'un calme olympien. C'est le bon mot. Et nous voici donc vers la sortie. Double tendu avec double vrille. Et bien, il n'y a pas grand-chose à enlever. Il y a tout à garder, surtout pour Oleksandr Berech. Absolument. Mais 9,675, c'est une très bonne note. Regardez, c'est quand même pas si simple que ça, un double saut périlleux avec une vrille. C'est un personnage, monsieur. Maria Olaru, la roumaine, pardon, effectivement, à la sortie, on la revoit au ralenti. Parce qu'elle est en plus, elle est magnifique. Voilà, c'est presque une double vrille dans le deuxième tour, d'ailleurs.